calme ici. La langue, moi je m'attendais à... Hey, salut tout le monde. Et c'est Luna, vous y attendiez pas du tout, dis donc. Vous avez cliqué sur une vidéo avec marqué Luna versus Rayman 3, mais vous saviez trop pas que ça allait être moi. Bref, donc me voilà, je commence déjà à raconter n'importe quoi. Et pourtant je suis là bien en forme, l'œil vif et l'estomac plein pour ce nouvel épisode, donc où on va explorer ensemble la lande aux esprits frappés. Lande aux esprits frappés, donc qui était le niveau que je trouvais le plus chouette visuellement, le plus esthétique quand j'y jouais gamine. Je me rappelle, il m'avait laissé un souvenir plein d'émotions. Bref, enfin bah, j'avais bien kiffé quoi. Hop là, c'est le niveau où on va découvrir la course de chaussures, les hoodlums hélicoptères, l'utilité de la touche strafe. Et vous allez voir que je fail finalement absolument de la même façon que d'habitude. Faut que j'aille terrifier mon arrière petit-fils, c'est super méchant. J'espère que quand je mourrai, j'espère d'ici pas trop... Pas trop peu de temps non plus, mais bon, que quand ça m'arrivera comme ça arrive à chacun de nous, j'espère que je ferai ça, que je deviendrai un vieux fantôme très méchant qui m'amuserait à terroriser mes arrière-petits-enfants en revenant les hanter et en leur hurlant des trucs obscènes dans leur sommeil. Ah ouais, en vlà une idée qu'elle est géante. Qu'est-ce que je peux dire comme... Alors, il y a les tortues qu'il faut taper. Oh, ils sont mignons. Au revoir. Hihi. Hop là. Et au passage... Bref. Au secours. Au secours. Alors, où êtes-vous? Vous êtes là-haut. Bon, roquette dans vos têtes, hein, vous aviez qu'à pas m'appeler au secours. Ah non, ils sont tout seuls maintenant dans les cages, c'est vrai. Avant, ils étaient trois, c'était pire. Il y a un truc qui a bougé là-bas. Hihi, au revoir. Il m'a même pas laissé... Ah si, il m'a laissé un souvenir quand même. Ah, c'était vous. Attendez, j'arrive. Je m'achète un skill et je reviens. Hop là. Hihi, libération de petits êtres. Libération de petits êtres qui, je le rappelle, sert à augmenter votre barre de vie. Ce qui est relativement utile. Et non, je n'ai plus rien à faire avec ce truc-là. Ce qui est bien dommage parce que ça m'amuse. Si vous saviez à quel point ça m'amuse. On pourrait même dire que ça m'éclate à fond. Hop là. Ah, j'attaque la prune parce que je suis quelqu'un de méchant. Je tape des prunes. Vous connaissez ce truc-là? Je tape des nains, car je suis méchant. Je sais plus comment il s'appelle le type qui fait ça. Alors... Ah oui, il faut le mettre là-bas. Non! Un méchant! Je te jette la prune par la tête! Ah, ça marche en plus. Ah, la prune a bugué sur la tête d'une tortue. Dégage, la tortue. Hop là. Vous n'avez pas le droit de me retenir contre mon gré. J'ai des droits. Je veux parler à mon avocat. Hop là. Il y en a qui en veulent. Faut pas me chercher, moi. Faut pas me chercher. Je suis un méchant, moi. Ouais. Dit-il en regardant la barrière. Non, mais oh. Les mecs, ils viennent m'emmerder comme ça, gratuitement. Hein? Oh. Non mais franchement. Hop là. Ça vous rappelle votre dernière soirée ou pas? Moi, oui. Sauf que moi, je fais pas des bulles rigolotes comme ça quand je suis bourré. C'est vachement dommage, même. J'aimerais bien. Ça me faciliterait la vie pour pas mal de raisons. Alors, toi, t'es moche. Au revoir. Toi aussi. Hop, c'était pas toi que je visais, c'est pas grave. Tu seras pas venu pour rien.
Ah, voilà, les relous de service. Quoi qu'on en avait déjà vu, je crois. Je sais plus. J'ai une mémoire défaillante, c'est terrible. Vous avez remarqué que d'un épisode sur deux, je vous dis que j'ai une super mémoire ou une mémoire complètement défaillante. Ça dépend de mon humeur. Dans le même épisode, d'ailleurs, je peux dire les deux. Oh, regardez. On dirait moi qui vais bosser le lundi matin. Youpi. Youhouhou. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Il est beau ce niveau, vous trouvez? Moi je le trouve vachement esthétique, vachement joli. Attention, tout petit, bébé petit, encore petit, bébé petit, bébé petit, encore petit. Oh, regardez, ils sont tout petits. Hop, et on peut leur marcher dessus après. C'est la vengeance. C'est la vengeance des nains. Aquilon comprend de quoi je parle. Aquilon, toi qui me comprendras toujours. En tout cas sur ce sujet-là. Les Razmoth vaincront un jour. Oui. Alors, non, je ne vous ai pas du tout traité de Razmoth. C'est complètement faux. C'est une illusion. Oh bah. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que t'avais bugué, mon coco. Et voilà, ça c'est trop bien. C'est la course de chaussures. Ma chaussure est partie. Et il va falloir que j'aille la chercher. Alors, allez où la pétasse, là, là. Ah. Comment on fait pour accélérer? Ah oui, comme ça. Ah, boum. Viens la chaussure. Boum. Faut que je l'affaiblisse assez pour qu'elle accepte de se laisser recapturer. En fait, finalement, c'est un peu comme Pokémon. Hop là. Non, non. Non mais... Caméra, s'il vous plaît. Désolé, c'est moi qui erre. D'accord. C'est poétique, Rayman, des fois. Attendez, je casse la porte et ensuite je... Hop. Non, juste sérieux, quoi. Regardez comment c'est joli, quoi. C'est magnifique. Moi, j'adore. Je trouve ça trop beau. Bref, sur ces jolies petites considérations pleines de poésie et de délicatesse, ça ne me ressemble tellement pas que je vais passer à la suite. Quoi? Comment j'ai pu faire aussi faible sur aussi peu de temps? Oh, je me fatigue. J'ai dû rater un truc, en fait. Genre... C'est pas grave. Ah, l'alarme! J'aime bien leur rire. Hop là! Viens, tu seras pas venu pour rien. Non, mais c'est pas toi que je veux viser. Oh, tu me saoules. Et voilà, et maintenant il me fait viser celui que je cherchais tout à l'heure. Ah mais strafe sur le bon. Oh, tu me saoules, Rayman. Voilà, c'est lui que je voulais. Parce qu'il est méchant, lui. Et en plus, il est casse-bonbons et il t'empêche de jouer tranquillement. La musique, elle est énorme sur ce passage, j'avais oublié. Elle est trop bien. Quoi? Quoi? T'as un problème? T'as un problème? Hop là! Et là, t'as encore un problème? Tiens! Allez! Chute! Ah, je t'avais pas vu, toi! Reste là! En fait, le strafe, c'est vachement pratique, j'aurais fait ça tout le temps. Ouais! Ta-ta-ta-ta! Oh non, il y en a encore un, ouais! Je l'avais pas vu! On court après en plus. Oh le bâtard. Il a éclaté le ballon avant que j'y aille. Ah le saligo. Ah le petit saligo. Ça va pas se passer comme ça. Mais si ça te dérange pas, on va se battre sur la terre ferme. Ah. Non, pas le. Ok, n'importe quoi. Alors, on se détend. Et on repart. Hop là, avec une caméra qui va dans le bon sens. Et hop, je t'électrocute. Ah, tu kiffes là, hein? Tu kiffes là? Hop là! Bref, une fois qu'on a calmé tout le monde, on va peut-être pouvoir jouer tranquille. Il y a un niveau bonus aussi avec des ballons et des crochets et qui est super chiant, super difficile à finir. Enfin, moi en tout cas, je me rappelle d'avoir galéré, mais galéré, il faudra que je le réessaye. Mais a priori, si jamais je vous le fais. Non, a priori, en fait, je vous le ferai pas, parce que je vais juste tellement minablement galérer que c'est pas la peine. On tourne. La caméra, si elle pouvait suivre. J'avais dit que j'arrêtais de râler sur la caméra, mais franchement, là,
Il y a de l'abus, quoi. Il y a de l'abus. Moi, je veux bien être compréhensive, mais quand même, quoi. Merde. Bref. Faut que j'aille, mais... Faut que j'aille, mais quoi? Ah ouais, il y avait un Globox qui vous fait une super déclaration à ce passage-là du jeu, mais je me rappelle plus ce qu'il dit et j'ai pas entendu là tout de suite. C'est dommage, voilà. Vous savez maintenant qu'il y avait un truc sympa à entendre, mais vous l'avez pas entendu. Et je ne remettrai pas. Hop là. Oh, il y en a bien pas mal d'entre vous qui doivent déjà le connaître par cœur, ce jeu. J'arrive pas à l'attraper, ça va m'énerver. Bon, tant pis, je m'en fous. Arrête de courir, tu peux pas m'échapper. Tu te fatigues pour rien. C'est bon, on a tout vu, on a tout fait, on a tout vu, on a tout fait, on peut se tirer. Allez, c'est parti. Oula. Ah ouais, elle est cool cette salle. Elle est marrante. Alors, il y a encore une... Ouais, vous savez, ces petites créatures chiantes que je prends jamais le temps d'attraper. La gastronomie par André. Salut. C'est mignon cette petite... Voilà, vous l'avez vu là en bas. Hop, en bas à droite là. Mais si, attendez, il faudrait que j'arrive à... Caméra de merde! Mais elle est là en bas, mais putain. Ok, c'est pas grave. Mais je crois que vous l'avez vu, enfin, au pire vous vous remettrez en arrière, mais dans le coin à droite, quoi. Là, elle est là. Et vous croyez que je vais essayer de l'attraper? Pas du tout! J'ai pas que ça à foutre. Amusez-vous à ça si ça vous éclate. Hop! Amusez-vous à ça si ça vous éclate. Elle est nulle, cette phrase. Oh là là... Alors, hop, il faut que j'aille là-bas, c'est ça? Ouais, super. Hé, hey, je te fais peur. Je crois que j'ai même pas réussi à la faire flipper. Alors, poum. Et on s'en va par là. Alors, il y a plein de passages cachés, je sais, mais j'arrête pas de les rater parce que je les connais pas, en fait. Et j'ai pas pris le temps de regarder. Ah ouais, alors ça, c'est chiant. Alors... Alors, il faut esquiver les mini-mini, strifler sur la grosse. Ah, j'ai du mal à esquiver les mini quand même. Je crois que c'est... Ah, ah oui, non, c'est pas la bonne technique, c'est pas la bonne technique du tout. Non, strife pas sur le petit. Non. J'ai aucune coordination de mes mouvements, c'est dramatique. Hop. Voilà, c'est ça. Hop, 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 hop. Yes. Ça demande une coordination que je ne possède pas du fait de mes incapacités cérébrales. Allez! Crache la tabule. Merci. Hop là. Pas bien, Globox. Blum blum. J'adore. Ah bah ça, j'ai pas fait exprès. Magique. Faut que j'aille répéter mon bignou. Faut que j'aille répéter mon bignou. Parce qu'en plus, c'est des Bretons. Il y a vraiment des gens qui cumulent. Ah oui, mais non, mais Ubisoft aussi. Nya, patate, va. Yeah, j'adore la musique. Oh là là, tu sens le pouvoir de la foule, quoi. Alors, il faut faire semblant de taper les autres, et alors qu'en fait, comme ça, ça fait apparaître le magicien qui les protège et on peut lui taper dessus. C'est vicieux, hein. Et voilà. Et maintenant vous faites plus rien là, hein. Vous avez plus aucune défense. Vous n'avez plus de protection à part que vous êtes deux contre un, bande de gros lâches.
Et maintenant, il y a un enfoiré qui me lance des grenades. Eh oh, trop de haine sur une même personne, moi je dis. Putain, il fait mal lui. Oh, cette caméra. Je veux mourir. Comment la caméra rend les gamers suicidaires? Mais non, mais c'est pas possible quoi, la caméra. Je vais tuer quelqu'un à cause de cette caméra. Alors, ça c'est fait. Alors, il y a toi encore. Oh là là, mais il va me tuer en plus, il est fort. Et hop là, oui, c'est ça, court sur les grenades. Ha ha. Alors, on fait toujours le malin. Ah ouais, tout de suite, quand on a un lance-roquette, on se fait respecter. Quoi? Mais quoi? Mais tiens, mais moi je te latte à coup de pompe! Ah non, je te latte peut-être pas à coup de pompe. Oula, je vais mourir moi! Oh là là! Ah, c'était pas loin quoi! Il n'y a plus de. Non, il n'y a plus de tiers-lire. Ah, plus de tiers-lire. Ah, je me suis fait latter ma tête. Oh, Rico! Où nous amène-t-il? À la sortie. Bah, mais comme c'est bien vu. Il n'y a plus rien à faire là-bas? Ah, peut-être pas. Ah, oui, si, peut-être. Ou alors, c'est pas la sortie, parce qu'il me semblait qu'il y avait un passage là-bas. Bah, papa? Non? Oui? Non? Bah, si. Ou alors, c'est de là que je viens. Ou alors, j'ai pas de cerveau. Ah, ouais, c'est pour ça! Pardon. Comment on arrive à se perdre dans un jeu aussi linéaire que Rayman 3? Je ne sais pas, écoutez. Je ne cherche plus à comprendre. Hop là. C'est marrant, comme devant un écran, mon cerveau fond vite. Alors, il faudra que je comprenne un jour pourquoi est-ce que je fais des scores aussi minables. J'y réfléchirai. Je dois rater, en fait, des cachettes et des trucs. C'est même carrément sûr que c'est ça. Oh non, le méchant! Il a fait un truc méga méchant! Il a fermé la porte! Comment vais-je faire pour passer? Ah là là. Je vais te casser ta tête, par exemple! Eh? Comment ça esquive? Comment ça esquive? C'est écrit de Matrix. Hop là! Oh, c'est tout? Il n'y avait que toi? Ah non, apparemment, il y a quelqu'un d'autre. Et moi, je suis le tueur de tirelire! Donc je ne peux pas passer par là immédiatement. Ah! Mais, bah dis donc, et donc? Qu'est-ce que... Bah dis donc, toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te mette une fessée, ou... Non, j'arrive pas à le taper. Donc, peut-être que je peux pas le taper tout de suite. Si MS souvient bien, peut-être qu'il faut que je fasse le tour. Parce qu'il n'y a pas la musique de Battle. Là, par contre, elle y est. Alors... Ah oh, oui, j'adore ce passage. Regardez comment c'est trop magnifique. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. La hauteur de cette tour. Bah, on voit d'ici qu'ils n'ont même pas été fichus de mettre un ascenseur. Hein, c'est pas une autre. Je ne commenterai pas. Hey. Mais les musiques, elles sont tellement bien, n'empêche. Tellement magique. J'arrête de dire le mot magique toutes les 10 minutes. Vous l'avez vu, moi je l'ai vu. Ah, j'arrive jamais à le mettre dans mon combo, ça va trop lentement. Chier. Ah bah d'accord, il pleut maintenant. Ah bah oui, c'est bien des Bretons. Hein. Je vais avoir des insultes de Bretons insurgés. Hein, Braise indépendant, hein. Il y a un nouveau casse-bonbon. Je l'ai pas vu. Ah, je l'entends par contre. Ah, il est là. Il est là, monsieur casse-bonbon. Oh, monsieur casse-bonbon. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, monsieur casse-bonbon. Hop là. Ah, ah, je l'ai vu. Le m'as-tu vu? Non, raté. Ouais. Coucou. Bref. Ah, il va me falloir une prune.
Ah, merci pour l'escalier, Globox. J'ai l'impression que Globox se fait tirer dessus. Mais c'est sûrement juste une impression. Caméra. Ah oui, mais non, je peux pas la balader comme ça, il va me falloir le pouvoir pour faire redescendre les trucs. Et ce pouvoir, où l'obtiens-je? Sûrement en haut, en tapant l'ennemi inconnu et pour l'instant invisible qui est en train de m'araver la tronche à le Globox. Nya. Bon, Globox. Ah. Il est où? Il est où celui qui t'embête, Globox? Montre-le-moi. Montre-le-moi, je le tape. Non, il est pas là? Bah, il est où? Je devrais avoir un de ses pouvoirs, mais... Je suis Gogol ou... Ou je suis Gogol? Et toi, tu faisais des bruits, genre tu te fais frapper, alors qu'en fait, que dalle. La musique de la prune a bugué. Qu'est-ce qui lui arrive à ce truc débile? J'entre dans la tour magique. Ah oui, ça c'est difficile. Ça, pour quelqu'un qui n'a aucune coordination des mouvements comme moi, c'est très dur. Et surtout, putain, aucune appréciation des distances. Ah. Mais je soutiens Globox dans le fait que ça aurait été cool quand même de mettre un ascenseur. Hello. Hop. Ouh, je suis Spider-Man. Qui je suis? Je suis Spider-Man. Je me demande si je suis la seule à connaître toutes les répliques de ce film par cœur. Sûrement pas. Tiens, ce serait un truc marrant à passer, ça. C'est 4. Hop là. Elle est trop magnifique. C'est trop magnifique cet endroit, je trouve. Non, vraiment, je suis en extase. C'est trop beau. Plein de féeries et de poésie et de petits machins qui brillent partout, que c'est vachement joli quand même. Et hop là, et là, vous vous rendez compte, je viens de monter tout ça. Pour rien. Et voilà, il n'y a plus qu'à redescendre. Non mais sérieusement. Heureusement que c'est joli, hein. Parce que vraiment, je veux un escalier comme ça dans ma maison, quand j'aurai une maison. C'est... Ouah, j'adore. Bon allez, on se casse. Youhou! Ah! Hop là! Doucement l'atterrissage. Il est où, Papy Fou là? Ah bah voilà! Le truc dont j'avais besoin, c'est qu'il fallait monter tout là-haut rien que pour ça. Non mais franchement. D'un genre relou. Hop! Hop là! Ça c'est fait! Et maintenant, la galère de la prune. Une. J'adore cette musique. Yes. Hop. Et là, le truc relou, c'est que si vous la faites tomber dans l'eau, la prune, elle disparaît. Vous l'avez perdue. Il n'y a plus qu'à recommencer. Et vous l'avez dans le... Enfin, voilà. Mais encore, c'était plus relou que ça dans mon souvenir. Hop. Non, pas sur la prune. On porte la prune et non l'inverse. J'adore. Je suis en train de délirer. Allez, courage. Hop. Et après, là, vous vous demandez si ça en valait la peine. Eh ben, je ne sais pas non plus. Ah.
Ah si, quand même, ça aurait été abusé. Ah, mais oui, mais oui, mais oui. Il va activer le portail. Voilà, full obsidienne. Portail d'obsidienne, c'est parti. D'ailleurs, je sais pas quelle heure il est. Ouais, je crois que je vais vous laisser en fait. Parce que sinon, ça fait des épisodes trop longs, je me fais engueuler après. Surtout que c'est Aki qui upload. Et si je vous fais des épisodes de 40 minutes à chaque fois, et ben elle est pas contente. Donc, c'est devant ce magnifique et majestueux portail que je vous quitte aujourd'hui, mes amis. Bah, portez-vous bien, à la prochaine. Et n'oubliez pas votre casque hélicoptère. Voilà, bisous, salut!